Ayon Eno, véritable métronome du football camerounais, où il a débuté sa carrière, notamment dans la partie anglophone du Cameroun, d'où il est originaire, ensuite a rejoint l'Afrique du Sud, où il a évolué durant quelques saisons, et depuis plusieurs années, il évolue dans de nombreux championnats en Europe, et a récemment posé ses valises aux Pays-Bas pour pouvoir continuer sa carrière après de nombreux périples. C'est donc ainsi que, de manière exceptionnelle, il nous a ouvert ses portes pour nous relater la partie intime de sa foi chrétienne, dont d'ailleurs, il le dit si bien, il est avant tout un chrétien avant d'être un footballeur. Christ my King, what a beautiful name it is, nothing can stand still. The name of Jesus. There is no other God like you, no other King like you. My life belongs to you, Lord. Help me to stand in your will and in your purpose. I pray, Lord, that the world will come to know your love through me. I pray for your purpose, your plan in Christ Jesus to be fulfilled in all I do. Les apparences peuvent être souvent très trompeuses. L'international camerounais Ayon Eno, avec 53 sélections en équipe nationale du Cameroun, a posé ses valises jusqu'à la fin de cette saison dans la ville de Tilburg, une commune et ville des Pays-Bas de la province du Brabant septentrional. Réputé pour sa rigueur défensive, il est désormais sous contrat avec Willem II. Après trois saisons passées au Standard de Liège, il évoque avec un peu de recul les raisons d'un départ qui ont mis un frein à sa carrière. Mon contrat était fini au Standard et j'étais un joueur libre, selon mon projet familial aussi, parce qu'en tant que football professionnel, il faut toujours calculer ton carrière avec la famille. Donc mon objectif était de trouver un club en Angleterre qui me rapprochera de la famille, parce que j'ai passé la plupart du temps en Belgique et la famille était à Amsterdam. Donc, et ça devient de plus en plus un peu difficile pour ma femme, donc j'étais obligé d'essayer de trouver un truc là-bas. Mais malheureusement, ça n'a pas marché comme je le pensais. Vers les dernières minutes, il y a des choses qui sont changées. Donc j'étais obligé de rester là à la maison pour quelques mois. En tout cas, j'ai eu en janvier, je voulais vraiment jouer pour reprendre un peu de rythme. Et puis j'ai eu contact avec Willem II. Et j'ai signé un contrat avec eux pour reprendre le rythme. Pour l'instant, ça va bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu es assez satisfait de ton arrivée dans ce club? Est-ce que tu as le sentiment que le club suit exactement ta progression? Certainement, ils étaient vraiment contents, surtout les joueurs qui étaient là, parce que selon ce que j'ai déjà fait aussi aux Pays-Bas, et on me connaît à l'Ajax, on me connaît à l'équipe nationale du Cameroun, radiqué à la télé et qui me voit maintenant en personne et puis connaît mon expérience, pour eux c'était vraiment un boost. C'était pas juste en tant que joueur que je suis venu, c'était aussi en tant que personnalité pour encourager, parce que l'équipe n'était pas dans une bonne situation. Ils avaient perdu beaucoup de matchs et il fallait gagner pour remonter, pour essayer de ne pas descendre. Vraiment, ça manque. Parce que quand tu es habitué chaque jour à l'entraînement, match, week-end, entraînement toute la semaine, match, week-end, c'est déjà une routine. Et si tu arrêtes un mois, deux mois, tu fais aucune de choses là. C'est vrai que je m'entraînais individuellement avec un entraîneur privé, mais c'est pas pareil. Et c'était où? En Angleterre. D'accord. Ouais, c'est-à-dire que c'est en Angleterre que tu es resté pendant ta blessure en fait? Ouais. Et comme ça, pendant cette période-là, je passais beaucoup de temps avec la famille. Mais c'est pas la même chose que t'entraîner avec une équipe. C'est complètement différent. Est-ce que pour la première fois que tu es resté 7 mois sans jouer au football,
et qui t'a mis aussi dans une période où tu étais sans club. Est-ce que ça t'a fait douter du milieu du football? C'est sûr, dans le monde de foot, c'est comme dans toutes les professions, dans toutes les carrières. Dès que tu es dans une position de difficulté, tout le monde sent le doute. Ce n'est pas que les footballeurs, c'est aussi dans tous les boulots du monde. Et je pense que notre travail est pareil avec les autres professions. Le spectre de la religion, dont il est si fier, n'a jamais cessé d'alimenter les chaumières et notamment les réseaux sociaux. Il se définit lui-même comme étant un chrétien avant d'être footballeur. Et c'est avec plaisir qu'il revient sur son épopée des Jeux universitaires du Cameroun. Ouais, pendant les FENASCO, surtout quand j'étais à l'université de Boya, c'était ma vie, c'était comme ça. Je parlais chaque fois de Dieu, je priais partout et tout le monde qui était à côté de moi. Et même si tu aimais ou tu n'aimais pas, tu allais entendre un truc qui concerne Dieu. Et ouais, tout le monde me connaissait. Pour moi, ça faisait partie de ma vie. Et je le sentais déjà que c'est un chemin que le Seigneur voulait que je marche. Donc, ce n'est pas un truc qui était surprenant. La plupart des gens qui étaient à l'université savaient déjà ça. Et ils m'avaient déjà connu comme ça. Certains m'appelaient déjà pasteur. Il y a d'autres qui m'appelaient d'autres noms. Mais je ne voyais pas ça en tant que pasteur ou en tant qu'un autre nom. Je voyais ça juste comme quelqu'un qui a une vocation pour parler beaucoup de Dieu et aussi montrer, par exemple, une certaine manière de vie. Lorsqu'on a dit de lui qu'il aurait mis un terme à sa carrière pour sa vocation religieuse, il reste égal à lui-même. Ouais, c'était un peu surprenant d'entendre ou bien d'écouter ou voir quelques messages. Les gens pensaient que j'arrêtais le foot à cause de ma vocation ou bien mon croyance en Dieu ou bien je vais arrêter pour commencer à prêcher l'évangile. Je pense que mon carrière, ça fait partie de mon appel, ça fait partie de mon vocation. Il y a les gens que normalement tu ne peux pas voir dans une église, mais moi je peux les voir sur un stade de foot ou bien sur une séance d'entraînement. Donc ça c'est ma place, ça c'est mon monde de vie. Et pendant ces périodes que beaucoup de gens m'ont pas vu jouer, c'est pas parce que j'avais arrêté le foot pour concentrer à être pasteur ou quoi que ce soit. C'était juste une période que j'étais un peu blessé, aussi j'avais retiré un peu pour passer du temps avec la famille. Et comme j'avais un peu de temps, j'étais à l'église plusieurs fois, et j'avais du temps pour partir à l'église comme j'avais pas avant. Ça m'a permis aussi de partager la parole, d'être sur Facebook et partager quelques messages. Des messages qui, justement, le jour de son anniversaire, ont sonné pour lui comme un moment très spécial. Hello Big, happy birthday. This is just a little video for you, from people that care a lot about you. So I'll let you see them. Happy birthday to you. Happy wow. Alors lorsque vous avez vu cette vidéo, notamment celui que vous appelez comme étant votre fils, comment l'avez-vous vécu avec tous les coéquipiers de l'équipe nationale du Cameroun? Ouais, j'étais plein d'émotions. Quand j'ai vu la vidéo qu'il m'a envoyé, dès que j'ai appuyé sur play, je le vois. Je pensais qu'il voulait juste faire un petit coup de message et dire « Joyeux anniversaire, grand frère ». Pour moi, je pense depuis que je suis là, c'est l'un des meilleurs cadeaux d'anniversaire que j'ai jamais reçu. C'est une vidéo qui a provoqué beaucoup d'émotions à moi. Et pour voir mes jeunes frères penser à moi comme ça et tous ensemble me saluer. C'est vrai qu'ils ont utilisé pasteur pour certains d'eux, comme Kanjo, comme pour Aboubakar. Je leur parlais chaque fois de ma foi et je partageais les versets dans la Bible. Ils savent que je priais parfois à l'équipe. C'est à cause de ça qu'ils parlaient de pasteur. Mais en dehors de ça, ils savaient que j'essaie de faire mon mieux comme un grand frère dans l'équipe pour être ouvert à tout le monde, pour être là pour tout le monde et aussi pour montrer l'exemple en tant que joueur pour l'équipe nationale. Dans une ambiance si chaleureuse en sélection, le témoignage d'une anecdote s'imposa. L'anecdote qui m'a marqué à l'équipe nationale, j'arrive à l'équipe nationale
Des gens que j'ai déjà vus sur la télé, les Samuel, les Rigobert, les Jérémy, les Vomé. Et j'arrive comme ça à l'équipe nationale, je vois tous ces gens-ci. C'était un rêve. Et première séance d'entraînement, je m'entraîne avec eux. Et j'ai beaucoup de tension. Mais après l'entraînement, le grand frère Rigobert m'appelle et dit « Si, tu as un grand cœur. Si tu continues comme ça, tu seras l'un des capitaines de l'équipe nationale. » Là, c'est un truc qui m'a affecté. Et sur la base de quoi il vous a dit ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tant qu'un aîné, en tant que quelqu'un qui a joué à l'équipe nationale depuis quelques années, il a les choses qu'il voit que peut-être en tant que jeune, je ne vois pas. Donc il était le seul qui a vu certaines choses et puis il m'a parlé comme ça. Il a dit « Reste comme tu es, reste humble, continue à bosser. » Et moi, je ne pensais pas être capitaine, je n'ai jamais pensé à ça. Mon but était juste pour être... J'étais juste fier d'être à l'équipe nationale. C'était un rêve pour tous les jeunes Camerounais qui jouent au foot. Et apporter tout ce que je peux à l'équipe nationale, à mon niveau que je peux. C'était mon but. Mais quand il m'a parlé comme ça, j'ai senti que, vous savez, il y a beaucoup d'autres choses que je peux apporter en dehors de jouer seulement au foot. Et parmi les grands frères que vous avez cités, quel est le grand frère qui vous a le plus marqué? On peut parler de Samuel, on peut parler de Jérémy, on peut parler également de Rigobert Song. Lequel des trois, ou peut-être l'autre encore, comme Kala Kongor, si vous n'avez peut-être pas connu? Bon, je n'ai pas connu Kala, mais j'ai connu l'emblématique Rigobert Song. Je pense que pour tous les joueurs qui arrivent à l'équipe nationale, qui voient Rigobert, il marque tout le monde. Parce que dès que tu le vois de loin, un combatteur, c'est un guerrier. Et puis tu arrives, il est très humble, il est très simple. Il est à cœur ouvert avec tous les jeunes qui viennent. Il m'a vraiment remarqué comme un leader. C'est son plan en train de... Comment il accueille beaucoup de jeunes qui sont arrivés à l'équipe nationale à l'époque quand je suis venu. C'est sûr que presque tous les aînés m'ont marqué d'une certaine manière ou l'autre. Rigobert m'avait vraiment marqué, il m'a frappé l'œil. Et je me rappelle la première fois aussi que j'ai vu Samuel. On était en stage en Belgique, à Bruxelles. Et je suis parti dans sa chambre pour le saluer. C'est sûr que Samuel, c'est quelqu'un qui suit tous les jeunes Camerounais partout. Et puis déjà, il avait regardé l'un de mes matchs en Europa League contre Marseille. Et je suis parti pour me présenter pour le saluer. Et il dit « Ah petit, j'ai vu ton but. » Et moi, j'étais surpris qu'il suivait ça. Donc, ça, c'était le moment spécial pour moi, l'arrivée à l'équipe nationale, voir tous ces grands frères et l'accueil que j'ai eu. Pour moi, c'était vraiment spécial. Et tous m'ont marqué. Jérémy était quelqu'un, il nous appelait chaque fois sur le côté pour nous parler de la vie, donner-nous les conseils, comment investir, tout ça. Ça, ce sont les choses que tu ne peux pas oublier. Ah, Jérémy était le spécialiste des investissements alors? Non, c'était le spécialiste des conseils de vie, de vérité. Peut-être les autres, quand tu viens à l'équipe nationale, c'est foot. Mais Jérémy aussi, il amenait beaucoup de gens à penser à la vie ou la mentalité, ta manière de penser en dehors du foot. Alors, est-ce que vous considérez que votre arrivée à la session a été assez rapide ou bien ça s'est fait comme ça au fil du temps? Bah, je pense que pour ma génération, peut-être je considérais que c'était un peu long comme je le pensais, parce que quand je regarde la génération que j'étais avec, Stéphane Bial, André Guémot, on était ensemble chez les cadets, Siani. Je pense que moi et Siani, on va dire, quand tu regardais et puis tu voyais Stéphane Bial et André déjà devant l'équipe nationale, on pensait que oh, peut-être nous on a raté. Mais je pense qu'à l'équipe nationale, chacun a son temps, pour d'autres personnes ça pourrait être tôt, pour d'autres personnes ça pourrait être tard. Et j'ai eu la chance d'être là avec Stéphane Biard, avec l'André Guémot et avec Nicolas Coulot au même moment. Mais il faut penser que depuis 2008 que j'étais là, ça a pris jusqu'en 2016 pour que mon très très fort ami Siani, qui était capitaine, et mon capitaine quand on était cadet et junior, pour qu'il être appelé à l'équipe nationale du Cameroun. Et tu peux voir comment c'est surprenant. Moi, j'ai joué là-bas presque 8 ans,
sans gagner un titre. Il est venu un an, il a gagné un titre. Il a gagné la CAN avec l'équipe nationale. Quel est donc votre avenir avec la sélection du Cameroun aujourd'hui? Rappelons-le, depuis quelques saisons, vous n'êtes plus convoqué en équipe du nationale du Cameroun suite à de nombreuses blessures. Aujourd'hui, vous vous rétablissez peu à peu et vous êtes aujourd'hui à Tilbourg, à Villers 2 notamment, où vous retrouvez du temps de jeu. Quelle est votre priorité actuellement? Je pense que ma priorité pour le moment, c'est retrouver mon rythme, retrouver le temps de jeu. Et je ne pense pas que l'équipe nationale est ma priorité pour le moment. Déjà, je suis très content que j'ai beaucoup d'autres, comme Siani et d'autres joueurs qui représentent bien l'équipe nationale. Et je suis l'un des fans numéro un des Lions indomptables. Est-ce que vous considérez que le wagon est passé pour vous? La locomotive est passée? Oui, comme on parlait de l'équipe nationale, c'est la maison de tout le monde. Demain, tu es là, demain, tu ne pourras pas être là. Donc, je ne peux pas dire que je ferme la porte de l'équipe nationale parce que je pense que j'ai encore du temps à jouer. Mais pour le moment, je ne pense pas que c'est une priorité pour moi. Eyon Eno, personnage atypique du football, ne dissimule néanmoins pas une absence qu'il vit avec amertume. Ma vie que je vis ici à Tilburg, c'est un peu difficile parce que je vis sans la famille ici, ma famille sont à Londres. Et j'ai fait le choix de venir ici seul parce que les enfants sont à l'école et ils s'adaptent déjà à l'Angleterre. C'est une place que ma femme aime beaucoup. Et pour le bouger, pour revenir ici encore en Hollande et puis après ça bouger encore, je pense que parfois dans la famille, il faut avoir une stabilité. Donc on a décidé ensemble que la famille va rester en Angleterre et moi je vais venir ici seul. C'est pas toujours évident, c'est pas très facile, mais on les gère de temps en temps. Dès que j'ai les journées libres, les week-ends, je pars là-bas pour passer du temps avec la famille. C'est difficile, mais c'est gérable. D'être avec eux, de les protéger, mais quand je suis loin, je ne peux pas le faire à 100%. Donc je sens les absences, c'est normal. Son regard peut être porté sur un terrain de football vers son fils aîné qui a décidé de suivre son chemin. En tout cas, lui, il est né depuis qu'il est né. Il est né dans le foot. Et il est le premier dès qu'il était né, déjà quelques semaines. Et ma femme l'a mené déjà au stade, dont il a grandi dans le foot plus que tous les autres, parce que j'ai 5 garçons, plus les autres 4. Lui, le football était naturel pour lui. Déjà devant la télé, le ballon, il touchait le ballon partout. Et naturellement, dès qu'il était déjà 3 ans, quelque chose et demi comme ça, il connaissait déjà tous les drapeaux des équipes nationales qui étaient à la Coupe du Monde. Donc pour lui, le football était déjà très naturel. Et c'est ça qui l'a amené, on a amené à commencer à jouer, il était sélectionné pour jouer à l'Ajax, déjà à 6 ans et demi, et jusqu'à il était à 8 ans, où ils ont gagné un titre là-bas. Et présentement, il a 11 ans, il joue avec Arsenal en Angleterre. Malgré une vie d'homme seul, il reste toujours aussi strict face à son hygiène de vie alimentaire. Mes jus préférés, j'aime manger, boire jus d'orange, mais mélanger un peu avec jus de pomme. Ah ouais. L'attitude placide du Camerounais pourrait faire oublier que nous sommes à quelques heures de la rencontre de son club qui, pour le compte de la 32e journée, recevait l'un des clubs phares du championnat néerlandais. Malgré la défaite 1-5, pour une rencontre à très peu d'enjeux, l'ex-international nigérian et ex-prodige du PSG, Bartholomé Ogbetié, devenu coéquipier d'Eyon Eno à Willem II, apporte à son tour son avis sur le cas Eno. L'adjectif que je pourrais l'attribuer,
Je dirais très humble. On l'appelle Petit Jésus dans le vestiaire. Parce que voilà, il est très croyant, comme moi aussi, je suis très croyant. Mais Eno, je pense que la manière dont il parle avec pas mal de gens dans le vestiaire a fait que pas mal de coéquipiers ont surnommé le Petit Jésus. Donc, moi, l'adjectif que je pourrais l'attribuer, ça serait très humble. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et qui est toujours là pour aider et puis toujours à l'écoute. Et en plus, comme il est très croyant, j'espère vraiment que si Dieu le veut, que tous ses rêves vont devenir réalité dans l'avenir. Au lendemain de la rencontre, Zen et Lucide et non se satisfait tout de même de ce challenge où il retrouve du temps de jeu. Et nous ouvre une fois de plus les portes d'une de ses confidences les plus inattendues. Monsieur Tozil, ça c'est l'un des joueurs qui m'a vraiment impressionné. J'avais déjà joué contre beaucoup d'autres joueurs qui étaient vraiment prévisibles, très bons joueurs techniciens, mais dès que j'ai joué contre Mesut, lui c'était un peu différent parce qu'il était imprévisible. Et on a joué les matchs en Champions League contre Real Madrid, j'ai joué contre eux 3 fois. La plupart d'autres joueurs que j'avais joué contre étaient vraiment, vraiment prévisibles. Mais lui, tu ne savais pas là où il allait partir, ses mouvements, où il allait faire la passe. Là, il m'a vraiment marqué. Et concernant la Coupe du Monde, l'un des joueurs que j'ai joué contre qui m'a aussi marqué, c'est Neymar. Et lui, déjà, je l'avais vu sur la télé et d'autres matchs, mais pour être là live, pour le voir, c'était touche de balle, son technique, son contrôle. Et là, il m'a vraiment, vraiment impressionné. C'est donc ainsi que, de manière logique, cet entretien exclusif nous mène dans sa région natale, où les conséquences de la crise sociopolitique qui secoue cette région du Cameroun et qui dénombre, selon l'agence nigérienne des urgences, environ 34 000 réfugiés et des milliers de personnes décédées. Une région qui lui tient tant à cœur, l'un des symboles de l'équilibre régional, lorsque le Camerounais anglophone qu'il est, était l'un des capitaines de la sélection Fagnon. Vraiment, c'est une situation très touchante que je ne souhaite pas à aucune nation de traverser ça. C'est vrai que la plupart des gens l'appellent une crise anglophone. Moi, personnellement, je pense que c'est une crise camerounaise. Et ça affecte, c'est un truc qui affecte toute la nation. Je ne pense pas que quand mon doigt a mal ou bien mon pied a mal, je dis que c'est notre partie, si ça fait partie de mon corps. Et si j'ai mal quelque part, ça affecte tout mon corps. Donc je pense qu'il faut l'appeler une crise camerounaise et il faut le regarder comme ça. Et c'est le seul moyen qu'on pourra trouver une solution pour ce genre de problème. Dès que j'ai entendu de cette... J'ai commencé à voir les images, j'ai entendu de tout ce qui se passe. Ça m'a vraiment touché. Et comme j'ai entendu les gens qui sont en train de mourir et beaucoup d'autres choses, c'est une situation que jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'on allait déjà trouver une solution. Et j'espère que ça sera très vite trouvé. Sinon, ça déroule chaque jour et ça devient d'autres choses. Et ça fait vraiment mal au cœur en savant que le Cameroun, normalement, nos mots qui nous guident en tant qu'un pays, c'est le travail, paix et la patrie. Et là, on ne sent pas qu'il y a la paix. On doit faire tout pour trouver cette paix qui caractérise ce pays qu'on a tant aimé et puis on attend être fier d'être Camerounais. De plus en plus de sportifs de haut niveau assument ouvertement leur foi religieuse, tels que
l'international brésilien David Luiz, l'ex-ballon d'or Kaka, l'international ivoirien Yapi Apo font partie de ces sportifs qui ont fait du Christ le centre de leur vie. And I thank you for your presence in my life and for helping me by your Holy Spirit to walk in line with your plan and purpose. Receive all the praise and all the glory this day, Lord. In the name of Jesus. Without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing. Without you, I'm nothing. I declare your greatness, Lord. All that I am is only in you. I pray, Lord, you would use my life as a light to many. To bring many to the consciousness of who you are. The revelation of your person, of your love, your grace, and your mercy. Your name is worthy of praise. Thank you, Father. Thank you, Lord.